La roumaine Gina Gojean, qui a ma préférence au saut de cheval. Qui a votre préférence? Oui, parce qu'elle est très régulière, un saut très difficile et tout le temps parfaitement maîtrisé avec des piles chutes. La seule rescapée d'une équipe roumaine qui n'est plus tout à fait compétitive, comme ce fut le cas dans le passé. Elle est un peu tristounette, Gina Gojean, toute seule. Deuxième du concours général, vous l'avez vu il y a un instant, derrière Charles Minel. Exceptionnel. Oh là, rien n'est lancé. C'est toujours pile, c'est toujours stabilisé. C'est étonnant de régularité d'ailleurs, surtout sur un exercice aussi difficile que le saut de cheval et aussi précis. Donc elle vient de faire un saut qu'on appelle le Yurchenko Vrille. On va voir sur le ralenti. Rondade, demi-tour sur le tremplin. Donc rondade, le flip, impulsion des bras, le plus se redresse et la pirouette, corps tendu avec l'ouverture pour stabiliser la chute. La ligne de corps parfaite. Ah oui. Autre prise de vue spectaculaire. Ces petites roumaines qui ont du souci à se faire parce que, comme d'ailleurs toutes les gymnastes de l'Europe de l'Est, ils n'ont plus beaucoup de moyens pour s'entraîner. Et c'est vrai que Gina Gojean est, j'allais le dire, la seule rescapée de haut niveau à pouvoir rivaliser avec les Américaines. Mais un premier saut avec 9,750, elle pourrait, si elle fait mieux au deuxième, prendre la tête du concours. Il faut qu'elle corse un petit peu. Va intégrer une vrille. Non, l'une seule tombe encarpée, eh bien ce ne sera pas suffisant, non. Surtout avec cette mauvaise réception. Dommage qu'elle n'ait pas un deuxième saut à la hauteur. Et va pouvoir prétendre à une très grosse note. Et la petite jeune fille que vous venez de voir, c'est la Biélorusse Yelena Piksut qui suit le concours alors qu'elle est en tête. Alors, grande prise d'élan et répulsion sur le cheval, c'est ici que ça se corse un peu pour elle, avec un fléchissement des genoux inattendu. Elle n'a pas pu maîtriser totalement la flexion. Eh oui, déséquilibre avant qui va lui coûter un bon dixième. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour ces jeunes filles, puisque le deuxième saut différent ici dans ce cas ne se produit que lors des finales. Et elles se rôdent essentiellement sur un saut qu'elles maîtrisent parfaitement, et en l'occurrence son premier saut qu'elle nous a présenté en Yurchenko Vrille. Elle ne devrait pas avoir plus de 9,700 en moyenne sur ces deux sauts. Vous voyez, 9,687, vous voyez. Elle recule bien. Elle recule. Quatrième rang pour Gina Gojean.